Est-ce que vous avez choisi votre menu? Je suis allée plutôt loin avec Kosuda, mais j'ai pas encore pu conclure. Et maintenant, il va falloir aussi que je règle le problème avec Kanejo. Bon, très bien. Je déclare ouverte la réunion pour le plan de la capture de Kosuda et de la subjugation de Kanejo. Je dois m'excuser, mais j'en ferai pas partie. Ah, non, reste! Ne sois pas si froide, j'ai trop besoin de tes conseils. Alors dis-moi, comment tu combattrais Kanejo, toi? Moi, je la combattrais pas. Bon, si je décidais d'améliorer ma tenue, t'en dis quoi? Si je jouais d'un instrument pour devenir élégante? Ça fait un moment que j'apprends la flûte. T'aurais pas décidé de l'apprendre pour de mauvaises raisons? En plus, c'est vraiment pas ce que recherche Kosuda. Il ne faut pas copier les autres. Chaque personne a ses propres qualités. Kanejo est élégante, cultivée et puis modeste aussi. Miyano, elle, est une excellente cuisinière et elle est réservée et très féminine. Et moi, j'ai quoi? Toi, tu as... Rien du tout. Toi aussi, t'as des qualités. L'important, c'est que t'en prennes conscience et tu t'appuies sur elles. Prendre conscience de mes qualités? Bon, écoutez bien. Les cours de natation commencent la semaine prochaine. La natation? Je dois absolument maigrir d'ici là, moi. C'est pas possible. Oh, mais si je fais ça, mes seins aussi pourraient maigrir. J'ai trouvé. La grande bataille des maillots. Je ne perdrai pas face à toi. Tout va se jouer avec le maillot de bain, parce qu'on portera tout celui du lycée. Du coup, ça permettra de se comparer facilement. Oh, non, attendez, on va porter le même. Et merde, c'est la catastrophe. Oh non! Tout le charme d'une femme repose sur son petit cul et ses longues jambes. Et c'est mon devoir d'éduquer tous ces garçons incultes. Tu essayes de te convaincre, là. Les jambes, c'est fait, et aussi les aisselles. Comment je vais m'y prendre pour cette zone? Bon, je vais juste raser un peu. Je vais plus pouvoir faire d'avance à Kosuda avant un moment. Et pourquoi ça? Pourtant l'été arrive. Ça va être les cours de natation. Je vais enfin pouvoir revoir Yamada en maillot de bain. Kosuda, Kosuda, Kosuda. Et voilà. Takashi? C'est pas en une petite semaine que t'auras des tablettes de chocolat, tu sais. J'étais certaine que tu avais un corps magnifique, Yamada. Eh ouais, il faut que je me dépêche de me changer. Vas-y, Miyano, change-toi, que je puisse voir à qui j'ai affaire. Qu'est-ce que tu as? Non, non, c'est rien d'important, t'en fais pas, Miyano. Je te trouve vraiment polie tout d'un coup. Très bien, je dois me reprendre et aller voir à quoi ressemble Kanejo. Ces seins ne sont pas gros, mais ils ont un beau galbe. Et ses jambes aussi. Ouah, Kanejo, ton maillot est échancré. C'est un maillot de compétition. Il n'y a pas de cours de natation au lycée aux États-Unis. Il est magnifique. Tu l'as acheté exprès? Mais c'est moi qui les éblouirai une fois dans le bassin. On va enfin pouvoir voir Kanejo en maillot de bain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir Yamada, en fait. Et merde, je veux pas qu'il la voie en maillot de bain, moi. Eh, les voilà. Oh, Kanejo se démarque encore comme à chaque fois. Regardez-moi ce corps, c'est du bon essai ou du bon aidé. Takeshita aussi a l'air super sexy vu de dos. Hey, j'avais encore jamais vu Miyano sans ses lunettes. Elle est carrément mignonne. J'adore la piscine, j'adore ça. Prête? Bon ben là, circuler, y a rien à voir. Katase, Kobayashi et Sakai sont pas mal non plus. Les filles de notre classe nous réservent de sacrées surprises. Du bonheur pour les yeux. Et vous pourrez les regarder autant que vous voudrez. Je resterai toujours la plus belle d'entre toutes. Car j'ai le corps d'Aphrodite, je frise la perfection. Et sinon, les chevilles, ça va? T'enfiles encore tes chaussettes? En plus de ça, j'ai passé un temps fou à rechercher les poses les plus sexy et les plus provocantes rien que pour ce jour. Dis donc, Yamada, tu vas arrêter de jouer les pin-up de suite! Yamada, elle est tellement tentante! Coco. Est-ce que tu me regardes, hein, Kosuda?
Mais bordel, Kosuda, pourquoi est-ce que tu me regardes pas? Mais est-ce que vous allez arrêter tous les deux? Hein? J'y crois pas. C'est dingue que tu saches pas encore nager. Faut dire que la natation, c'est vraiment pas mon truc. Dis, Yamada, j'ai entendu Mademoiselle Akai qui a dit que l'année dernière, tu avais été la plus rapide dans les épreuves de crawl. Oui, c'est vrai. Contrairement à Takeshita, je suis douée pour la natation. Et une seconde... Me dis pas que c'est à cause de mes nichons. Mais ça n'a rien à voir avec la taille de tes seins. Incroyable. Mais quel plongeon magnifique. Il se passe quoi? Kanecho a fait un plongeon. C'est pas vrai, elle essaie encore de me voler la vedette. Elle est vraiment rapide. Waouh! Elle nage au moins 30 fois plus vite que Misato. Kanecho, c'était fantastique. Quand je vivais aux États-Unis, j'ai participé au championnat national intercollège. Elle a bien été élevée à l'étranger. C'est de la triche! Ouais, enfin, c'est un cours de natation, c'est pas un défilé en maillot de bain, alors c'est bien normal qu'elle se mette à nager. Bon, très bien. Cette fois, je vais chronométrer ta longueur. Très bien, madame. Elle fait quoi? On dirait qu'elle a décidé de se mesurer à Kanecho sur cette longueur. C'est comme un concours de beauté. Yamada. Vous avez fini? Je peux siffler le départ? À vos marques! Même si tu es douée, tu ne peux pas battre une nageuse de compétition. Prête? Là! Un ovni! Hein? Quoi? Où ça? C'est parti! Je vais gagner ce coup. Et ça alors? C'est pas de la triche que tu viens de faire là, hein? Je vois. Tu n'as pas juste un joli minois. Tu es une adversaire de valeur. Yamada est plutôt rapide. Mais Kanecho la talonne. Yamada. C'est qui a gagné? J'en sais rien. Et la gagnante est Kanecho. Tu t'es bien battue. Je n'en attendais pas moins de toi. Cependant, si tu as vraiment envie de me battre, entraîne-toi et reviens dans 10 ans. C'était une victoire magnifique, Kanecho. Oh, mais Yamada a été une adversaire redoutable, vous savez. Eh ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Mais merde! La prochaine fois, je te battrai, quel qu'en soit le prix. Je te battrai en classe, en anglais ou en musique. Mais la battre là-dedans ne sera pas suffisant. L'important dans tout ça, c'est surtout la féminité. Grâce à ma féminité, je pourrais faire tomber des villes et influencer des pays entiers. Avant de penser à faire tomber le monde à tes pieds, commence déjà par t'occuper du garçon à côté de toi. Pour une situation comme celle-là, il n'y a pas meilleur coach que Chika. Ça me fait mal, mais je dois faire ce sacrifice. Chika, je dois te demander une faveur. Je veux augmenter ma féminité pour battre Kanecho. Oh. Mais enfin, c'est quoi cette tête? Tu devrais pas te battre comme ça sans raison. Mais c'est elle qui a commencé! C'est vrai, quoi! Le lendemain! Il faut que tu la rencontres pour pouvoir élaborer un plan afin que je puisse la contrer! Mais Oh, Chika, c'est toi! Salut, Chika! Hey! Mais Yamada est venue avec sa petite sœur aujourd'hui! Je savais pas qu'Yamada avait une petite sœur. Bah si, elle en a une! Cette fille, je l'ai souvent vue accompagnée de beaux garçons. Elle est populaire. Qu'elle est jolie. Il y a une espèce d'élégance naturelle qui se dégage d'elle. Pourquoi est-ce qu'elle se fatigue à se battre contre ma sœur? J'ai de la peine pour elle. Si même sa sœur est populaire, alors Yamada a forcément un petit ami, c'est obligé. Mais j'ai beau chercher, je ne trouve rien du tout sur ce garçon. Comme s'il n'existait pas. Oh. Allez. Dis-moi tout, Chika. Dis-moi comment je vais pouvoir battre cette fille au jeu de la popularité. Enchantée. Enchantée de même. Ah, mais enfin Ça n'est pas parce que ce sont les vacances d'été que vous devez vous relâcher, d'accord? Et surtout toi, Misato, tu es celle qui m'inquiète le plus. Mais c'est peut-être pas vrai. Il y a une façon très simple d'accroître ma féminité. Il faut juste que je perde ma virginité avec Kosuda.
Justement, ça serait pas à cause de ça que t'aurais tous ces problèmes, par hasard? C'est vrai, ça, les gens sont beaucoup plus ouverts l'été. Et peut-être que sa fenêtre le sera aussi. En plus, elle en est capable. L'an dernier, c'est Takeshita qui m'a proposé d'aller à la piscine. Alors cette année, c'est à moi de faire le premier pas. Yamada! Oui, quoi? Je me demandais, c'est les vacances, là. Et si on allait quelque part, tous les deux? Mon cœur s'emballe trop, il bat à toute vitesse. Bienvenue! Est-ce que vous avez choisi votre menu? Nos agendas n'arrivent pas à concorder. Désolée, je peux pas répondre à tes attentes. Mais quand vas-tu augmenter ta féminité? Pikata HK. Je m'ennuie tellement. Pourquoi est-ce que j'ai même pas de rendez-vous avec Kosuda? C'est pas possible, ça. Comment ose-t-il laisser seule une jeune femme qui fait tourner la tête de tous les garçons? Les super vacances d'été de Kosuda. Je suis en deuxième année et c'est moi qui dois tout porter. Si tu le fais pas, on aura honte auprès de nos voisins. Tu dois montrer du respect à nos ancêtres. Yamada? Oh, tiens, Kazuki, c'est toi, je m'y attendais pas. Dis donc, pour une coïncidence, hein? Une coïncidence? Si tu cherches Takashi, il est pas là. Il est parti avec la famille ce matin. Je vais justement les rejoindre. Ah, donc, il est pas là? Mais dis-moi, est-ce que tu connais le camp de vacances de Makinohara? On y va ensemble chaque année. On y campe et puis on y pêche. Et surtout, on fait un barbecue. C'est mignon, ça, de savoir qu'il part encore avec sa famille à son âge. On y va avec les Miano, c'est super sympa ces vacances. C'est pas mignon du tout, ça! Souvenir des jours d'été. Retour à la nature pour Yamada. Mais quel salaud, ce Kosuda! Tu m'as jamais parlé de ce voyage avec les Miano! C'est parce que tu te sens coupable, c'est bien ça? Pourquoi tu restes si secret? Allez, Takashi, plus haut! Allez! Dire que oui, je sers d'échelle à un écolier, je n'ai pas de mots. Mais enfin, Mahiro, arrête ça! Et alors, ça veut dire qu'en ce moment, je t'ai préparé du poulet frit, Kosuda. Génial! J'ai mis mon maillot de bain. Génial! Et puis, j'ai apporté plein de préservatifs du démon. J'ai... Ah non, Kosuda, tu vas pas t'en tirer! Mort à tous les hommes infidèles. Fais l'amour avec lui avant de le dire à Fidèle. Dis, Takashi, tu voudras bien aller nous chercher à boire après? Mais j'ai déjà plein de trucs à faire. Le bus met 30 minutes pour y aller et j'ai quand même décidé de faire la route à pied. Mais quelle idée! Oh, mais je pourrais user de mes chars pour faire de l'autostop, ça pourrait fonctionner, ça. Désolée, mais tu es vraiment trop jolie. Oh non! Juste quelque chose comme ça pourrait vraiment arriver. Pas une seule voiture, pas un chat. Dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Et puis je ferai quoi quand je le verrai, hein? Tout ça, c'est de la faute de Kosuda. Il va devoir me supplier à genoux de lui pardonner. Oui! Tu fais du stop? Allez, vas-y, petite, monte là-dedans. Mais c'est qui, ce type bizarre? Des armes à feu? C'est un gang ou quoi? Non, merci, monsieur! J'ai rien réussi à dire. Secours! Et alors, Kazuki, comme ça, tu n'es pas encore mariée à ton âge? Non, mais ça finira bien par arriver. C'est normal qu'elle soit pas encore mariée. C'est parce que Kazuki se mariera avec moi plus tard. Tu rêves, mon grand? C'est vrai que c'est assez marrant, ces vacances. Mais ça remplace pas un rendez-vous avec une fille. Et ben moi, je ne viendrai pas encore l'année prochaine! Mais oui. J'ai pas réussi à le dire. On aura grandi, Mahiro, dans quelques années. Mais dis donc, j'ai une idée. On pourrait marier Mayu et Kosuda, non?
Mais voilà une très bonne idée, ma chérie. J'ai pas voulu plomber l'ambiance. Mais baisse la tête, bordel! Mais comment j'ai pu en arriver là, moi? Écoute-moi, on éliminera tous ceux qui se mettront sur notre route. Compris, monsieur. Je check. Carré de 4. Bon, tu m'as battu. Elle est vraiment super forte à ce jeu. Est-ce que quelqu'un veut de la pastèque? Moi. C'était bien joué, Yamada. J'ai plus rien à t'apprendre, tu peux voler tes propres ailes désormais. Capitaine. Maintenant, cette arme est à toi. Et n'oublie jamais, si tu veux quelque chose, tu dois tout faire pour l'avoir. Yes, sir. Merci pour tous vos conseils, chef. Le pouvoir fait tout. Attends un peu, Kosuda. En photo? Oui. Depuis que je te connais, tu as toujours aimé regarder les étoiles. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis souvent venu chez toi pour pouvoir utiliser le télescope. J'adore les étoiles, c'est une passion. J'aimerais tellement pouvoir en devenir une. Hein? Comment? Quelque chose ne va pas pour que tu dises un truc comme ça. Je crois que je dois plus être très loin. J'ai tellement, tellement envie de te voir, Kosuda. Hein? Mais alors j'aurais envie de le voir? Mais non, enfin c'est totalement impossible! J'étais sur le point de lui hurler dessus, mais maintenant je m'en moque complètement. Oh. Ah! Mais c'est du porno! Les pages sont toutes collées, ça doit être la pluie, ça. Et ces pages toutes collantes, ça les rend encore plus érotiques. J'y suis. Kosuda, Kosuda, Kosuda. Oh, c'était quoi? C'est peut-être un ours. Oh, bah on dirait que c'est une poule finalement. Une poule dans ce coin? La poisse. Mais attends, pourquoi je devrais me cacher moi? Et puis c'est quoi cette complicité que je vois entre ces deux-là? C'est de l'amour? Je suis désolée, excuse-moi. Bon, je vais y aller. D'accord. Quoi, débile? Mais enfin, c'est quoi cette lumière? Et puis le bruit assourdissant? Ça, c'est ce qu'on appelle mettre le paquet sur les effets spéciaux. Espèce de sale prêtre! Mets-toi à genoux et tout de suite! Oui. C'est quoi ce que j'ai vu entre vous deux? Mais... qu'est-ce que tu es venu faire là? Tu paniques, c'est parce que t'as quelque chose à cacher, hein? J'ai pas raison! C'est juste que je comprends pas comment t'es arrivé ici! Ça, c'est pas la question! Tu m'as caché que t'allais camper avec les Miyano! Hein? Est-ce que tu te rends compte que j'ai appris ça par Kazuki? Peut-être que vous n'êtes que des camarades de classe, mais vos familles sont tellement proches, y'a aucune place pour moi là-dedans! Mais reste pas muet, dis quelque chose! Ben... pour commencer... j'aimerais quand même bien savoir ce que tu fais là. C'est à cause... il paraît qu'il y aurait des sangliers dans le coin, alors je suis venue en chasser un pour faire un ragoût. Et tu le chasses avec des billes? Est-ce que tu serais pas plutôt venue pour me... Pourquoi toi, hein? Tu sais cuisiner du ragoût de sanglier, peut-être? Non. Si c'est pour ça, alors t'es venue voir Miyano, c'est ça? Hein? Oui, voilà, c'est exactement ça. Je voulais qu'elle me le prépare. T'as qu'à nous rejoindre. On fait ça tous les ans, nos familles sont très unies. Non, merci, c'est bon. Hein? Allez, salut. Non, attends! J'ai un truc à te dire. Il doit y avoir un malentendu, c'est tout. C'était un malentendu quand tu souriais en regardant ces nichons? Apparemment, c'était pas un malentendu. T'étais pas juste en train de prendre ces gros lolos en photo? Mais, pas du tout. Je prenais juste les étoiles en photo. Oh? Vraiment? C'est vrai que ça lui ressemble plus de prendre les étoiles en photo. C'est vrai qu'elles sont très belles, ces étoiles.
Et si tu photographiais plutôt une étoile qui luit sur Terre, là, juste devant tes yeux? Hein? Je te demande si tu veux pas plutôt prendre des photos de moi! Mais si, bien sûr! J'ai réglé cet appareil photo pour pouvoir prendre les étoiles. Alors, on va prendre le numérique. C'est la toute première fois que je vais vraiment te prendre en photo. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Yamada, qu'est-ce que t'es mignonne. Il faut vraiment que je prenne de belles photos. Si c'est pour l'amour de l'art, je devrais... Kusuda ! Oh ben zut, la batterie est tombée à plat. Et si on rentrait, il commence à faire froid. Oh, mais tu prends plus les étoiles en photo alors ? Je les ai déjà prises. Et tu pourras être la première à qui je les montrerai. Oh, Kusuda... Regarde. Je vais vivre sous le même toit que Kusuda. Oh, mais je m'en fiche, moi, des temples. Alors, le bain public ou la salle de bain? N'importe quel endroit où on pourrait être seul. Yamada, dis, je voudrais... Mais si tu veux dire quelque chose, fais-le. En fait, j'ai pas compris tout ce que t'as dit. Regardez-nous.